Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous abordons aujourd'hui une autre encyclique de Saint Pie X, qui s'intitule « Erent animo ». C'est une exhortation de Saint Pie X au clergé catholique. Comment doivent être les prêtres dont l'Église a besoin ? Alors vous allez me dire, mais en quoi ça nous concerne ? Eh bien, ça vous concerne au premier chef, d'abord dans vos prières pour les prêtres, pour qu'ils accomplissent ce que Saint Pie X va présenter. Et puis c'est une exhortation qui était publique, que tout le monde peut lire, tout le monde peut entendre. Alors, on m'a posé la question la dernière fois, qu'est-ce que voulait dire « erent animo » ? Ça ne veut rien dire. Ce sont les premiers mots, les deux premiers mots. « Erent animo penitus suntque plena formidinis ». Elles sont profondément enracinées dans notre esprit. Voilà. Donc, c'est les deux premiers mots de l'encyclique, simplement. J'ai complètement oublié de vous donner la date de cette encyclique, mais je vous donnerai ça la prochaine fois. Alors, tout d'abord, dans une introduction, Saint Pie X expose le motif de cette exhortation. Il rappelle d'abord l'épître de Saint Paul aux Hébreux, « Il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Bon, » ce sont des paroles qui s'adressent à tous ceux qui ont autorité dans l'Église, et plus particulièrement au pape, qui doit rechercher, dit Saint Pie X, jour et nuit, les moyens de sauvegarder, de faire progresser le troupeau du Seigneur. Ça a d'ailleurs été la principale préoccupation de Mgr Lefebvre en fondant la fraternité, le sacerdoce. Il affirme ensuite quelle est sa principale préoccupation, et ce sont ses propres termes, principale préoccupation, que les hommes honorés du sacerdoce soient absolument tels que l'exige l'accomplissement de leur charge. Saint Pie X est persuadé que c'est de là surtout qu'il faut attendre le bon état et le progrès de la religion. Et c'est pourquoi il va exhorter les évêques à mettre leurs soins les plus persévérants, les plus actifs, à former le Christ dans ceux qui sont destinés, en vertu de leur charge, à former le Christ dans les autres. Si les prêtres sont destinés à former le Christ dans les autres, il faut que eux-mêmes forment en eux le Christ. Et puis, Saint Pie X veut louer et remercier publiquement la vigilance, la sollicitude des évêques, de ces évêques qui se sont acquittés avec empressement à la tâche de former le clergé à la vertu. Et puis, il va féliciter également les prêtres, de nombreux prêtres, de voir ces nombreux prêtres faire revivre ou accroître en eux la grâce qu'ils avaient reçue le jour de leur ordination sacerdotale. Il déplore, cependant, qu'il y en ait certains qui ne se montrent pas tels que le peuple chrétien puisse avoir pour modèle à imiter. Cause, évidemment, de scandale. Donc cette lettre s'adresse particulièrement à eux, justement à ces prêtres qui ne se montrent pas tels que le peuple chrétien puisse avoir pour modèle à imiter. Donc elle s'adresse particulièrement à eux pour ramener à de meilleurs sentiments les prêtres dévoyés ou les prêtres tièdes. Et puis, cette lettre se veut aussi un stimulant pour les autres.
Il veut donc le montrer le chemin à suivre, et à suivre avec ardeur, pour qu'il soit, selon l'expression de saint Paul, homme de Dieu, et pour répondre aussi à la légitime attente de l'Église. Alors, quel est le chemin à suivre ? Saint Pilice ne prétend pas enseigner de nouveautés, mais simplement rappeler certaines choses en espérant que sa parole puisse porter des fruits abondants. Que leur demande Saint Pilice ? Il leur demande ce que saint Paul écrivait aux Éphésiens : renouvelez-vous dans votre esprit et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté véritable. Et c'est le plus beau présent qu'il puisse offrir. Saint Pilice dit, c'est le plus beau présent que vous pourriez m'offrir en ce 50e anniversaire de mon sacerdoce. Et en repassant les années de sacerdoce, saint Pilice veut expier ce qu'il doit y regretter de trop humain, en exhortant les prêtres à, selon l'expression de saint Paul, marcher dignement devant Dieu et à lui plaire en toutes choses. Donc, par cette exhortation, le pape n'entend pas seulement défendre leurs intérêts à ses prêtres, mais aussi les intérêts des nations catholiques, les uns ne pouvant en aucune façon être séparés des autres. On ne peut pas espérer une chrétienté, une nation catholique, si on a des prêtres qui ne remplissent pas leurs devoirs. Il y a une relation évidente. À clergé catholique, profondément catholique, à clergé saint, vertueux, répond une société catholique. Pourquoi ? Parce que le prêtre est tel qu'il ne peut pas être bon ou mauvais pour lui seul. Ça, c'est important. Le prêtre est tel qu'il ne peut pas être bon ou mauvais pour lui seul. S'il est mauvais, sa conduite va entraîner beaucoup d'âmes. S'il est bon, également. Sa conduite, sa manière de vivre, sont pour le peuple de grandes conséquences. Et saint Pilice de conclure cette partie. Quel immense trésor qu'un prêtre vraiment bon partout où il se trouve. Voilà le motif donc de cette exhortation. Il aborde donc un premier chapitre. Le prêtre doit être saint. Pour que vous le soyez également, parce que ça ne suffit pas de dire on veut des prêtres saints. Il faut l'être aussi soi-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben d'abord, lumière du monde et celle de la terre. Saint Pilice commence donc cette exhortation par un appel à la sainteté de vie du prêtre. Sainteté que requiert d'ailleurs sa dignité sacerdotale. S'il a été élevé à la dignité sacerdotale, il est évident que cette dignité réclame de sa part sainteté de vie. Le prêtre qui exerce le sacerdoce ne l'exerce pas seulement pour lui, mais aussi pour les autres. C'est pour ça que, au cours d'un séminaire, par exemple, on verra, tel ou tel séminariste, s'il est généreux, s'il n'est pas généreux. S'il n'est pas généreux, ça veut dire qu'il pense qu'à lui. Donc ici, le sacerdoce, le prêtre ne l'exerce pas seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Car dit saint Paul, tout pontife pris d'entre les hommes est établi pour les hommes en ce qui regarde Dieu. Et notre Seigneur a exprimé la même pensée lorsque, pour montrer en quoi doit consister l'action sacerdotale, il compare les prêtres au sel et à la lumière. Le prêtre est donc la lumière du monde et le sel de la terre. Le sel, étant ce qui donne du goût aux aliments. Cela consiste en quoi ?
être lumière du monde, celle de la terre. Cela consiste d'abord, pour le prêtre, à communiquer la vérité chrétienne. Communiquer, non pas l'inventer, mais la communiquer. Un tel ministère est à peu près inutile si le prêtre n'appuie pas de son exemple ce qu'il enseigne de vive voix, évidemment. Sinon, ceux qui l'écoutent pourront dire alors, injurieusement, il est vrai, mais non sans raison, ils font profession de connaître Dieu et ils le renient par leurs actes. Les fidèles repousseront alors la doctrine et ne profiteront pas de la lumière du prêtre. Et c'est pourquoi le Christ lui-même constitue le modèle des prêtres. Pardon, c'est pour ça que le Christ lui-même, qui est constitué comme le modèle des prêtres, a d'abord enseigné par l'exemple et ensuite par la parole. Comme on lit dans le livre des Actes des Apôtres, Jésus a commencé à agir, il a enseigné après. De même, s'il néglige la sainteté, le prêtre ne pourra pas être le sel de la terre. En effet, ce qui est corrompu, ce qui est contaminé, n'est aucunement propre à conserver. Et là où la sainteté fait défaut, il est inévitable que la corruption s'introduise. Pourquoi parler de corruption, de conservation? Parce que justement, autrefois, quand on n'avait pas de frigidaire, un congélateur, on gardait la viande dans du sel. Ça évitait la viande de se corrompre. Donc il y a un lien aussi entre ce sel qui donne le goût et aussi qui conserve, qui préserve de la corruption. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi le Christ, poursuivant cette comparaison, appelle de tels prêtres un sel fade, qui n'est plus bon, on trouve ça en Saint Matthieu, qui n'est plus bon à rien, sinon à être jeté dehors, et dès lors à être foulé aux pieds par les hommes. Donc, lumière du monde, celle de la terre. Ensuite, dispensateur des mystères de Dieu. Voilà des vérités certaines, et d'autant plus certaines que le prêtre n'accomplit pas les fonctions sacerdotales en son nom propre, mais au nom de Jésus-Christ. Sa petite personne, on n'en a rien à faire. Et c'est ce que dit saint Paul aux Corinthiens, ainsi que l'homme nous considère comme les ministres du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu. Il n'est pas demandé autre chose. C'est donc pour le Christ que nous remplissons les fonctions d'ambassadeur. Et c'est aussi pour cette raison que le Christ a placé ses prêtres au nombre de ses amis. Au nombre de ses amis et non pas de ses serviteurs. C'est ce qu'on trouve dans saint Jean. Je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous ai appelé ami. Parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je vous ai choisi et constitué pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc le prêtre doit remplir le rôle du Christ. Et la mission qu'il lui donne, ce prêtre doit l'accomplir en prenant pour but tout ce qu'il s'est proposé. Le prêtre est donc tenu en qualité d'ami de conformer ses sentiments à ceux de notre Seigneur Jésus-Christ et non pas de conformer ses sentiments à ceux du monde, par exemple. Et envoyé par lui, il doit gagner l'esprit des hommes, non pas pour lui, mais pour Jésus-Christ. Il doit gagner l'esprit des hommes à ses doctrines, à la doctrine catholique, à la loi divine, en commençant d'abord par les observer lui-même. C'est à lui d'abord d'observer la doctrine catholique,
et d'observer la loi divine. Et en tant que participant à son pouvoir de délier les âmes du péché, il a l'obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour se préserver lui-même du péché. Dispensateur des mystères de Dieu, lumière du monde, celle de la terre, maintenant administrateur des choses saintes. Par-dessus tout, en tant que son ministre dans l'offrande du sacrifice par excellence, le prêtre doit se mettre dans le même état d'esprit que celui dans lequel, hostie immaculée, il s'est offert à Dieu sur l'autel de la croix. Car si autrefois, où il ne s'agissait que d'apparence et de figure, une si grande sainteté était requise des prêtres, dans l'Ancien Testament, qu'en sera-t-il du prêtre maintenant que la victime est le Christ ? C'est saint Jean Chrysostome qui dit ceci, « Combien donc ne doit pas être plus pur celui qui prend part à un tel sacrifice ?» Plus immaculé que le rayon du soleil, la main qui partage cette chair, la bouche que remplit un feu spirituel, la langue qui rougit un sang si redoutable. Et avec une grande justesse, saint Charles Borromée insiste sur ce point dans un de ses discours au clergé, à son clergé. Si nous nous rappelions quelle grande et sainte chose le Seigneur a déposé en nos mains. Quelle force aurait cette considération pour nous porter à mener une vie digne d'homme d'Église ? Qu'y a-t-il que le Seigneur n'ait mis dans ma main quand il y a déposé son Fils unique, coéternel et égal à lui ? Il a mis en ma main tous ses trésors, ses sacrements et ses grâces. Il y a placé les âmes qui sont ce qu'il a de plus cher, qu'il a préféré à lui-même dans son amour, qu'il a racheté de son sang. Il a mis en ma main le ciel pour que je puisse l'ouvrir et le fermer aux autres. Comment donc pourrais-je être assez ingrat après tant de faveurs et d'amour pour pécher contre lui, pour lui manquer de respect, pour souiller un corps qui est le sien, et pour déshonorer cette dignité, cette vie consacrée à son service. Voilà ce qu'on aurait aimé entendre au synode d'Amazonie. Il y a une préoccupation continuelle de l'Église. À cette sainteté de vie, l'Église tend par ses efforts. Et les séminaires, par exemple, ont été institués dans ce but, c'est-à-dire une instruction dans les lettres et les sciences, oui, mais surtout formation depuis les plus tendres années à tout ce qui concerne la piété. Exhortation à la sainteté selon l'avancement des candidats par les divers degrés qui sont séparés de longs intervalles. Et quelles sont ces étapes ? Alors, d'abord, dès l'enrôlement dans la milice sacrée, l'Église veut un engagement formel. C'est le psaume 15, « Le Seigneur est la part de mon héritage et de mon calice. C'est vous, Seigneur, qui me rendez mon héritage. » Et saint Jérôme qui commente ainsi, « Par ces paroles, le clerc, c'est-à-dire celui qui fait partie du clergé, est averti que celui qui est lui-même la part du Seigneur, ou qui a le Seigneur en partage, doit se montrer tel que lui-même possède le Seigneur et soit possédé par lui. Et c'est pour cela que l'Église tient le langage suivant à ceux qui s'engagent dans le sous-diaconat, c'est-à-dire qu'à partir du sous-diaconat, on ne peut plus revenir en arrière. D'ailleurs, dans la cérémonie du sous-diaconat, le séminariste fait un pas.
qui montre bien qu'il a fait le pas. Et là, il sera ordonné diacre et prêtre. Donc jusqu'au sous-diaconat, il pourrait revenir en arrière. C'est-à-dire à peu près 4 ans, 5 ans, 4 ans. Et c'est pour cela que l'Église tient ce langage à ceux qui vont être promus au sous-diaconat. Vous devez considérer attentivement et à plusieurs reprises quelle charge vous assumez librement aujourd'hui. Si vous recevez cet ordre, il ne vous sera plus permis de revenir sur votre dessein. Mais il vous faudra rester pour toujours au service de Dieu et garder avec son aide la chasteté. Si jusqu'à présent vous avez été négligent en ce qui concerne l'Église, désormais vous devez être assidu. Si jusqu'à présent vous avez été somnolent, si pendant 4 années de séminaire, les 4 premières années vous avez été somnolent, vous devez désormais être vigilant. Si jusqu'à présent vous avez été déshonnête, désormais vous devez être chaste. Songez au ministère qui vous est confié. Et pour ceux qui vont recevoir le diaconat, donc en général c'est un an ou quelques mois avant le sacerdoce, l'Église s'adresse à Dieu. L'Église adresse à Dieu cette prière par la bouche de l'évêque, qu'il y ait en eux abondance de toutes sortes de vertus, une autorité modeste, une pudeur constante, la pureté de l'innocence, la fidélité à la discipline spirituelle. Que vos préceptes, Seigneur, resplendissent dans leurs mœurs, et que leur chasteté exemplaire porte le peuple à les imiter saintement. Mais les avertissements que l'Église adresse à ceux maintenant qui vont recevoir le sacerdoce émeuvent encore plus profondément. Voilà ce que dit l'Église. C'est avec une grande crainte qu'il faut s'élever à une si haute dignité. Et l'on doit veiller à ce que ceux qui sont élus se recommandent par une sagesse céleste, des mœurs sans reproche, une continuelle observation de justice, que le parfum de votre vie soit un des attraits de l'Église de Dieu, en sorte que par la prédication et l'exemple, vous construisiez la maison, c'est-à-dire la famille de Dieu. Et elle ajoute un conseil très grave, conformez votre vie au mystère que vous célébrez. Ce qui est conforme au précepte de saint Paul, que nous rendions tout homme parfait dans le Christ Jésus. Voilà la pensée de l'Église sur le prêtre, sur la vie du prêtre. Donc on ne doit pas s'étonner de l'unanimité des saints-pères et des docteurs à enseigner sur ce point une doctrine qui, à certains esprits, pourrait sembler presque excessive. Si on les étudie sagement, on ne reconnaîtra dans leur enseignement rien que de très vrai et de très juste. Alors, quelle est cette doctrine qui semble excessive pour certains? Entre le prêtre et un honnête homme quelconque, comme vous tous, il doit y avoir autant de différence qu'entre le ciel et la terre. Et pour cette raison, le prêtre doit prendre garde que sa vertu soit exempte de tout reproche. Non seulement, bien sûr, en matière grave, mais encore en matière légère. Et c'est ainsi que le concile de Trente avertit les clercs de fuir, je cite, même les fautes légères, parce que commises par eux, elles seraient très graves. Entendu ici, elles seraient très graves pour le peuple chrétien.
elle serait un contre-exemple. Oui, comme il le dit, elle serait très grave, non pas en elle-même, c'est-à-dire mortelle, mais eu égard à celui qui les commettrait. Voilà. Après avoir vu le motif de cette exhortation, en premier point, en deuxième point, le prêtre doit être saint. Alors maintenant, en troisième point, en quoi consiste cette sainteté? D'abord, l'abnégation de soi. C'est pour ça que c'est un point particulier qu'un supérieur de séminaire observe sur les séminaristes. Est-ce qu'il y a une abnégation de soi-même? Quiconque ignore en quoi consiste la sainteté ou se trompe à son sujet court certainement un grand danger. Donc il faut bien savoir de quoi on parle. Certains pensent et osent même enseigner que le mérite d'un prêtre consiste uniquement à se dépenser sans réserve au service du prochain. Celui qui va multiplier les œuvres, qui va aller dans tous les sens, qui va s'agiter, etc. Ça, c'est un saint prêtre. Donc Saint Pédis dit, ils osent même enseigner que le mérite d'un prêtre consiste uniquement à se dépenser sans réserve au service du prochain. Conséquence, laissant presque entièrement de côté ces vertus par lesquelles l'homme travaille à sa propre perfection, et qu'ils appellent pour cela vertus passives, ils prétendent qu'il faut consacrer toutes ses forces, tout son zèle, à pratiquer et à cultiver les vertus actives. On retrouve ici quelque chose qu'on avait vu dans l'américanisme. C'est là une doctrine totalement erronée et pernicieuse. C'était en effet l'erreur de l'américanisme. Saint Paul aux Hébreux, pour prétendre qu'il y a des vertus chrétiennes plus appropriées que d'autres à certaines époques, il faudrait oublier les paroles de Saint Paul, qui sont celles-ci: ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Donc le maître et le modèle de toute sainteté, c'est Jésus-Christ, et c'est sur lui que doit se régler quiconque désire entrer au séjour des bienheureux. Or, le Christ ne change pas au cours des siècles, mais il est le même, comme dit saint Paul, hier et aujourd'hui, et il sera le même dans tous les siècles. C'est donc aux hommes de tous les âges que s'adresse cette parole, et aux hommes du 21e siècle également. Recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur. Et c'est à tous les temps que le Christ se montre à nous obéissant jusqu'à la mort. Elle vaut pour tous les temps, cette maxime de l'apôtre: ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses vices et ses convoitises. Ça, c'était valable du temps de saint Paul, et c'est toujours valable aujourd'hui. Donc ces enseignements, bien sûr, s'adressent à tous les fidèles, pas seulement aux prêtres, mais ils concernent plus immédiatement les prêtres. Parce que dans leur zèle apostolique, ils doivent s'appliquer spécialement à pratiquer ces vertus comme les pratiquaient les saints des temps passés. Quelles vertus ? Humilité, obéissance, tempérance, vertus qu'ils pratiquaient et grâce auxquelles ils furent puissants en œuvre et en parole, parce que si les œuvres de ces saints étaient puissantes et si les paroles de ces saints étaient puissantes, c'est qu'elles étaient mues par les vertus comme l'humilité, l'obéissance, la tempérance, et pour le plus grand profit de la religion, certes, mais aussi de la société civile. Ici, il y a le côté politique de Saint Pédis qu'il n'oublie pas. Si la société civile
doit être sainte, il faut que les prêtres soient saints. Léon XIII a eu parfaitement raison de mentionner spécialement la tempérance. En langage évangélique, c'est le renoncement. Car c'est surtout dans cette vertu du renoncement que réside la force, la puissance, l'efficacité de tout ministère apostolique, de tout ministère apostolique sacerdotal. Si un prêtre est renoncé à lui-même, eh bien, il sera fort, il sera puissant, il sera efficace. En négligeant cette vertu du renoncement, donc cette vertu de la tempérance, le prêtre commet tout ce qui dans ses mœurs est de nature à offenser les yeux et les âmes des fidèles. Donc, il ne peut pas espérer l'honnêteté des mœurs chez les fidèles si lui-même se laisse aller à une certaine négligence dans ce domaine. En effet, si on travaille en vue d'un gain misérable, si on se mêle aux affaires séculières, si on brigue les premières places, si on dédaigne les autres, si on s'attache à la chair et au sang, si on cherche à plaire aux hommes, si on compte sur les paroles persuasives de la sagesse humaine. Ici, il examine tous les défauts qu'on pourrait trouver chez un prêtre. Travailler en vue d'un gain misérable, qui sera toujours misérable, se mêler aux affaires séculières, c'est-à-dire, mêle-toi de tes oignons. Si on brigue les premières places, c'est le prêtre carriériste, si on dédaigne les autres, si on s'attache à la chair et au sang, si on cherche à plaire aux hommes, si on compte sur les paroles persuasives de la sagesse humaine, tout cela vient d'où ? Eh bien, vient de ce qu'on néglige le précepte du Christ, vient de ce qu'on rejette la condition posée par lui. Quelle est cette condition ? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même. Ça, c'est le premier point. Donc, en quoi consiste la sainteté ? Premier point, l'abnégation de soi-même. Deuxième point, rechercher la sainteté des autres. Saint Pie X ici avertit le prêtre qu'en fin de compte, ce n'est pas pour lui qu'il doit se sanctifier. Pour être bien. Je me sanctifie, moi, dans mon petit coin, pour être bien. Ce n'est pas pour moi que je me sanctifie. Ce n'est pas pour lui que le prêtre se sanctifie. Il est l'ouvrier que le Christ est venu louer pour sa vigne. Et c'est à lui qu'il appartient d'arracher les herbes folles. C'est à lui qu'il appartient de semer des herbes utiles. C'est à lui qu'il appartient d'arroser, de veiller à ce que l'homme ennemi ne vienne pas semer l'ivraie sur le bon grain. Donc c'est lui le bon jardinier. Le prêtre doit donc dès lors prendre garde qu'un souci inconsidéré de sa perfection intime ne l'entraîne à omettre quelques devoirs de sa charge, se rapportant au bien du prochain. Allô, monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez venir voir un mourant ? C'est assez pressé parce que dans quelques heures, il risque d'y passer. Ah ben non, vous comprenez, moi, je dois finir mon rosaire et puis, ben voilà, donc ça passera après. C'est ma sanctification personnelle qui passe avant. Donc, il omet quelques devoirs de sa charge dans un souci inconsidéré de sa perfection. Donc, quels sont les devoirs de sa charge ? Omettre la prédication de la parole de Dieu. Il va se lancer dans une diatribe pour l'accueil des migrants, par exemple. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Omettre les confessions à entendre. Omettre l'assistance des malades, principalement des moribonds. Omettre l'instruction religieuse des ignorants. Au moins, vous ne pourrez pas m'accuser de ça. Omettre la consolation des affligés. Excusez-moi de vous prendre pour des ignorants.
C'est un peu exagéré. Ô maître, la consolation des affligés. Ô maître, le retour des égarés. Ô maître, l'imitation parfaite du Christ, qui, comme dit le livre des Actes, qui passait en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tourmentés par le démon. Donc en tout cela, il doit avoir toujours présent à l'esprit ce grave avertissement de saint Paul, ni celui qui plante, ni celui qui arrose ne sont rien, mais Dieu qui fait croître est tout. Donc il faut semer, et le prêtre doit semer, et parfois dans les larmes, parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Il voit l'inefficacité peut-être temporaire de son apostolat. Il faut entretenir nos semences. Le prêtre doit entretenir ses semences au prix d'un labeur considérable. Mais la germination et les fruits qu'on en attend, tout cela ne dépend que de Dieu, ne dépend que de son secours tout-puissant. De plus, il importe de bien considérer que les hommes ne sont que des instruments dont Dieu se sert pour le salut des âmes. Donc, comme tout instrument, il faut que le prêtre soit apte à être manié par Dieu. Et de quelle manière ? Eh bien, Dieu n'est nullement déterminé par nos qualités. Dieu n'est nullement déterminé par nos qualités naturelles, par nos qualités acquises, à utiliser notre concours en vue de l'extension de sa gloire. Parce que, comme l'écrit saint Paul, encore aux Corinthiens, Dieu a choisi ce qui est insensé selon le monde pour confondre les sages. Dieu a choisi ce qui est faible aux yeux du monde pour confondre la force. Et Dieu a choisi ce qui est humble et méprisable au gré du monde, ce qui n'est rien pour détruire ce qui est. Donc c'est ça un prêtre, un homme insensé, un homme faible, un homme humble, méprisable au gré du monde et qui n'est rien, mais qui n'est rien lui-même pour détruire ce qui est. Dieu a choisi ce qui est humble et méprisable au gré du monde, ce qui n'est rien pour détruire ce qui est. Alors, une seule chose unit l'homme à Dieu. Une seule chose le rend agréable à Dieu. Une seule chose le rend agréable à Dieu et en face un ministre non indigne de sa miséricorde, c'est la sainteté de sa vie et de ses mœurs, qui consiste dans la connaissance suréminente de Jésus-Christ. Et si cette sainteté manque au prêtre, tout lui manque. Car sans elle, même l'habileté pratique et le savoir-faire, et on en trouve chez beaucoup de prêtres, même les trésors d'une science remarquable sont fréquemment la source de préjudices déplorables. Donc si un prêtre est très habile, a beaucoup de savoir-faire, a une science remarquable, mais qui n'a pas la sainteté, eh bien, il sera souvent la source de préjudices déplorables. Mais un homme profondément saint, fût-il le dernier de tous, peut entreprendre et mener à bonne fin pour le salut du monde une quantité d'œuvres merveilleuses. On l'a vu chez tous les saints prêtres qui nous ont précédés. Donc vous pouvez exiger de vos prêtres qu'ils soient des saints prêtres, mais attention, pas tout de suite, d'un coup. Il faut prier pour eux. Soyez pas non plus trop exigeants, même s'il faut l'être un peu. Il y eut en tout temps de nombreux témoignages, comme le saint curé d'Ars, par exemple. La sainteté seule rend telle que l'exige leur vocation divine, c'est-à-dire des hommes crucifiés au monde, auxquels le monde soit crucifié, des hommes marchant dans une vie nouvelle, des hommes qui, selon le conseil de l'apôtre, se montrent ministres de Dieu par
les travaux, les veilles, les jeûnes, la suavité, une charité sans feinte, la sincérité du langage, la chasteté, la science, la patience, l'Esprit Saint. Des hommes qui n'aspirent qu'au bien céleste et travaillent de toute leur force à y conduire le prochain. Voilà en quoi consiste la sainteté. Maintenant, dans un quatrième chapitre, il étudie les moyens de sanctification. Nous verrons simplement aujourd'hui la prière. Nous verrons la suite la prochaine fois. Comme moyen de sanctification, la prière. Tout d'abord, sa nécessité. La sainteté de vie étant le fruit de notre volonté, en tant que fortifiée par le secours de la grâce divine, chaque mot est important parce que la sainteté de vie n'est pas le fruit de la volonté, tout court, c'est le fruit de la volonté en tant que fortifiée par le secours de la grâce. Dieu a pourvu lui-même abondamment à ce que le don de sa grâce ne nous fît jamais défaut et ne fît jamais défaut aux prêtres, ce qui est logique. On peut l'obtenir par une prière assidue. Il y a donc nécessairement entre la prière et la sainteté une dépendance, et une dépendance telle que l'une ne peut exister sans l'autre. J'estime, dit saint Jean Chrysostome, qu'il est manifeste aux yeux de tous que vivre vertueusement est tout simplement impossible sans le secours de la prière. C'est pour ça que ce n'est pas une affaire uniquement de volonté, pas le fruit de notre volonté tout court. Saint Augustin conclut de même par ce trait: celui-là sait bien vivre qui sait bien prier. Et notre Seigneur, bien sûr, a fermement inculqué ses enseignements dans ses exhortations fréquentes et puis surtout par ses exemples. Il se retire dans le désert, il gravit la montagne seul pour prier, il passe des nuits entières absorbées dans la prière, il va fréquemment au temple et puis sur la croix aussi en pleine agonie. Il est donc certain et bien établi que pour tenir dignement son rang, pour remplir son devoir, le prêtre doit se consacrer avant tout à la prière. Non pas par habitude, comme c'est peut-être souvent à déplorer, mais par ferveur. Plus que tout autre, le prêtre doit obéir aux préceptes du Christ. Il faut toujours prier. Précepte que saint Paul recommande instamment: persévérez dans la prière, apportez-y de la vigilance avec des actions de grâce, priez sans cesse. Et pour une âme possédée du désir de sa propre sanctification, ceci est valable pour nous tous, nombreuses sont les occasions de s'élever vers Dieu durant le jour. Et puis tout nous porte, dit saint Pilis, à pleurer en présence du Seigneur. À pleurer en présence du Seigneur, tout nous porte à cela. Quoi ? Eh bien, les angoisses intimes, la violence et l'opiniâtreté des tentations, l'impuissance et la stérilité des œuvres, les péchés et les négligences sans nombre, la crainte des jugements divins. Et après avoir obtenu son secours, à nous enrichir facilement par l'acquisition de mérites. Donc c'est au prêtre surtout qu'il appartient d'implorer, de fléchir la divine clémence, de prier instamment le Christ qui, dans son infinie bonté, prodigue au prêtre toutes ses grâces dans son admirable sacrement. Et ce surtout devant le déluge de crimes qui va se répandant et s'élargissant partout. Voilà. Une très belle encyclique, une très belle exhortation.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.